Bonjour, dans ce tuto, je vais vous expliquer comment réaliser ce sac d'atelier. Le mien est bien évidemment destiné à la couture, il me permet d'y ranger tout ce que j'ai besoin quand je vais faire un atelier à l'extérieur. Je l'avais d'ailleurs fait pour animer des ateliers auprès des enfants, parce qu'on aime bien avoir son propre matériel quand on travaille. Alors je vais le mettre de côté pour vous montrer tout ce qu'il contient. Donc, à l'intérieur, nous avons une boîte pour ranger, j'ai marqué, mes fils à coudre et à broder. J'ai une deuxième boîte que j'ai appelée ma boîte à couture, vous voyez, j'ai marqué dessus ma boîte à couture. J'ai ensuite un pochon, voilà, tout simple, pour ranger les ciseaux. Et enfin, la trousse à couture, donc qui se déplie. Je vais vous l'ouvrir. Vous voyez. Voilà, donc la trousse à couture. Alors, j'ai choisi de travailler tout en noir et blanc, avec des dentelles. J'ai évidemment choisi le décor par rapport à ce que j'aime moi. Donc vous voyez les quatre éléments. Alors les boîtes ne sont pas trop travaillées, vous voyez, c'est plutôt simple. Et j'ai aussi décoré le devant du sac. Donc avec des appliqués, des boutons. J'ai repiqué plein de petits points. J'ai mis coudre en appliqué en bas. Et j'ai mis des images avec le transfert sur tissu qui sont en rapport avec la couture, et j'ai marqué broder, quilter et coudre en grand. J'ai réalisé toutes ces pièces en suivant l'inspiration du moment et donc par rapport à mes propres goûts. C'est un modèle qui peut aussi vous servir à la maison si vous n'avez pas d'atelier pour assembler toutes vos petites affaires. Vous pourrez aussi l'adapter à d'autres passions comme la broderie, le tricot ou le scrap. Vous pourrez même l'adapter au niveau des dimensions. Et ce tuto va aussi me permettre de vous montrer comment faire de nouvelles créations en associant plusieurs tutos. Parce que tous les tutos pour réaliser cet ensemble sont déjà en vidéo sur ma chaîne. Alors pour vous aider, je vous ai préparé une petite liste pour vous dire où trouver chaque tuto. Pour la réalisation du sac du cabas, il vous suffit d'aller dans la playlist sac et pochette et de retrouver le tuto d'un cabas pour aller chiner. Attention, il est en deux parties. Pour les boîtes en carton, donc celles-ci sont moins décorées, mais vous avez dans la playlist objets de déco le tuto « Faites vos boîtes à partir de carton recyclé ». Ensuite, pour la trousse à couture, dans les idées cadeaux, vous retrouverez « Petite trousse à couture deviendra grande ». Et enfin, dans la playlist sac et pochette, vous trouverez la création d'un joli pochon avec sa doublure. La seule différence, c'est que avant de faire mes coutures de côté, sur l'endroit, j'ai rajouté ce petit volant qui est pris en fait par l'intérieur dans la couture. Voyez, donc c'est tout simple. Voilà, vous savez tout. Alors j'espère que ce tuto vous sera utile et qu'il vous donnera plein de nouvelles idées. Je vous rappelle que si vous avez des questions, une partie commentaire sous cette vidéo peut vous permettre de les poser et je me ferai un plaisir de vous y répondre. Je vous rappelle aussi qu'il existe un groupe sur Facebook qui s'appelle Totalement Crazy by Nat qui peut vous permettre d'échanger avec d'autres personnes qui suivent cette chaîne et qui peut aussi vous permettre de partager les photos de vos créations réalisées à partir de mes tutos. Si vous êtes intéressé, il suffit d'aller sur la page du groupe et de faire la demande pour nous rejoindre. Enfin, je compte sur vous pour regarder plein de publicités sur ma page Utip. Je vous mets pour ça toutes les explications et le lien dans la description de cette vidéo parce que je n'arrive pas pour l'instant à le mettre directement à la fin de la vidéo. Alors, en attendant mon prochain tuto, je vous souhaite plein de jolies créations. Je vous dis au revoir et à bientôt.